je travaille au sein de la société Mobility, c'est un cabinet de conseil et stratégie en immobilier entreprise. Et on a développé il y a 3 mois une application qui s'appelle Immobilitis et qui nous permet en fait de répertorier sur iPad l'ensemble des offres qui sont disponibles sur le marché sous toute la partie location de bureaux, que ce soit à la location comme à l'acquisition. Voilà, donc si ça vous convient, je vous propose de vous faire une petite démonstration de notre application qui a été lancée il y a 3 mois. En fait, c'est un outil assez ludique et assez participatif, puisqu'on a la possibilité, comme je vous l'expliquais, de répertorier l'ensemble des offres disponibles sur le marché selon différents critères. Donc on va pouvoir utiliser une zone géographique bien définie, on va pouvoir faire des recherches par adresse, on va pouvoir faire des recherches par immeuble, selon, pour affiner au niveau de la surface, au niveau du budget. Donc je vais vous faire une démonstration sur un secteur bien défini sur sur Paris, par exemple, où on va prendre un client qui recherche une surface, on va prendre un exemple entre 1000 m² et 2000 m² par exemple. Donc avec ce curseur, vous pouvez tout simplement choisir la superficie qui vous intéresse. Donc entre 1000 m² et 2000 m². On valide et ensuite on va rechercher sur un secteur géographique avec une zone de recherche bien définie. Donc là, je vais prendre l'exemple à Paris, où j'ai un client qui me dit je recherche une surface entre 1000 m² et 2000 m² autour de la gare Saint-Lazare. Je vais utiliser la touche zone, tracer une zone au niveau du boulevard Haussmann, rue Blanche, jusqu'à rue des Batignolles. Je valide et en fait, je vais pouvoir avoir l'ensemble des immeubles qui offrent une superficie entre 1000 m² et 2000 m² disponibles aujourd'hui. Donc ensuite, je sélectionne l'immeuble. J'ai l'ensemble des offres qui sont répertoriées ici. Je prends l'exemple de cette offre ici, voilà, sur lequel on va retrouver un petit descriptif, le nom de l'immeuble, l'adresse exacte, certaines photos de l'immeuble, la localisation, les plans, comme on retrouve ici, les prestations qui sont disponibles dans l'immeuble avec les parkings, les jardins, la sécurité, l'accueil, et toutes les surfaces qui sont disponibles, la date de disponibilité, le loyer, les charges et la divisibilité. Il faut savoir qu'ici, on a 2391 m² de disponibles, divisibles à partir de 1176 m². Ce qui est très intéressant sur cette application, c'est qu'aujourd'hui, elle est dédiée exclusivement à nos clients. On arrive avec cet iPad qu'on vient présenter à nos clients et c'est, comme je vous l'expliquais, très participatif puisque c'est le client lui-même qui va pouvoir faire cette recherche. On arrive grâce à cet outil très en amont des phases de recherche. On a un client qui nous dit, ok, qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui sur le marché? Quelles sont les tendances? Quels sont les prix? Et voilà, c'est un outil qu'on a développé il y a 3 mois et qui fonctionne très bien aujourd'hui.